Allez, bonjour les amis, bonjour pour ce live exceptionnel, à une heure exceptionnelle. Vous ne m'avez jamais vu faire un live aussi tôt, peut-être dehors, mais pas comme ça à l'intérieur. Voilà, je fais ce live exceptionnel, mes chers amis, pour décrypter cette nouvelle invention, hein, le RIP. Ce qui est pour moi la même chose hein, que le RIC. Le RIP, pour ceux qui ne le savent pas, ça symbolise la mort. Hein. Mais le RIC, c'est la même chose. C'est la mort de notre révolution. Je vous l'ai dit depuis le début que le but de l'installation dans vos cerveaux, dans nos cerveaux, de cette idée du RIC, c'est pour qu'à la fin, lorsque le RIC sera mis en place, et il sera mis en place, là on vous prépare avec un RIP, justement, on vous prépare à la mise en place du RIC. Lorsque le RIC sera mis en place, alors toutes les personnes qui, comme votre serviteur, pensent que la meilleure des choses est de construire un nouveau monde, une nouvelle France, un nouveau système, devront se contenter de la ferveur populaire qui va croire que tous les problèmes ont été réglés avec le RIC, ou, comment beaucoup qui défendent le RIC aiment à le dire, que les problèmes vont se résoudre dans le temps grâce au RIC. C'est une hérésie, c'est une immense manipulation, c'est une grande illusion, mes chers amis. Le RIC, c'est pas à coup de 2 RIC ou 3 RIC par année que vous allez éliminer des dizaines de milliers de corrompus. Hein. Vous n'allez pas éliminer une pieuvre tentaculaire mafieuse qui s'appelle la franc-maçonnerie, qui existe, qui est très implantée en France, mais partout ailleurs dans le monde. Soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas vous battre, vous ou votre association de quelques dizaines de personnes, face à une armée organisée, hiérarchisée, voilà, j'y arrive, qui a le pouvoir, l'argent, qui est au sommet de l'État. Vous ne pouvez pas vous battre pour imposer vos propres thèmes du futur RIC. C'est impossible. Revenez à la raison. Si vous étiez en capacité de proposer des idées et de les imposer, à ce moment-là, vous n'avez qu'à vous présenter à n'importe quelle élection dans ce pays et vous le verrez de vos propres yeux. Hein, vous n'avez aucune chance. Surtout si vos idées sont les bonnes. C'est-à-dire promouvoir le bien et combattre le mal, combattre la corruption, aider le peuple, mettre en place des mesures qui vont bénéficier absolument à tout le monde, comme le revenu universel, combattre le mal absolu qui est la pédocriminalité et qui est aidé par la désorganisation de la civilisation et de la société au travers des placements d'enfants abusifs. Il y a plein d'autres sujets, les chemtrails, notre santé, les vaccins. Réveillez-vous, arrêtez de suivre bêtement à chaque fois qu'on vous met en tête, que les merdias et les gilets jaunes médiatisés vous mettent en tête que le salut viendrait avec le RIC ou je ne sais quel autre formule magique. Alors, je vais joindre l'image à la parole. Donc ce live exceptionnel ne va pas durer longtemps. Je vais y mettre fin à la fin. À la fin de ce que je vous ai préparé, de ce qui vient d'être diffusé donc sur BFM VC. On regarde ensemble et à la fin donc de cette vidéo que je vous ai préparée,
vous verrez leur explication du RIP. Bah oui, bah c'est pas un lapsus, hein. Ils ont vraiment inventé un RIP, RIP, pour vous préparer, parce qu'effectivement, tout le monde va s'énerver et qu'à la fin, le gouvernement, Macron, et peu importe ceux qui se coucheront, tout le monde se couchera et on vous dira, ok, c'est Rodrigue, Nicole et Drouet et Ludowski et les autres qui ont raison. Vous avez gagné, vous êtes super bien représentés. Alors voilà, ce ne sera pas le RIP, ce sera pas autre chose, ce sera le RIC. Vous voyez bien, vous avez gagné, vous êtes les meilleurs, mais c'est comme ça qu'ils marchent à chaque fois, comme ils ont fait l'arnaque de mai 68. Vous avez vu, Cohn-Bendit, franchement, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui l'ont suivi à l'époque? Réveillez-vous, les amis, réveillez-vous, il faut changer de monde. Et nos amis algériens le voient très bien, ils sont en train d'avancer très très vite et je les félicite. Il faut se méfier en ce moment. Il y a donc Bouteflika, surtout pas lui, parce que lui c'est un légume. Les mercenaires à Bouteflika qui sont en train de payer les richesses, piller les richesses du pays pour faire comme l'avait fait Ben Ali pour aller probablement en Arabie Saoudite ou ailleurs avec les richesses de l'Algérie. C'est en train de s'embraser pareillement. Parce que en Libye, parce que la Libye est très riche en ressources naturelles, que ce soit gazières ou pétrolières, l'Union européenne a bien entendu des velléités sur la Libye et ses ressources. Et il y a un peuple, le peuple tunisien, qui se retrouve comme à la fin de la guerre d'Algérie, entre plusieurs feux. C'est le peuple tunisien, politiquement, qui a permis justement de dénoncer au monde politiquement ce qui se passait, les massacres qui se passaient en Algérie au travers de l'événement de Saïed Sidi Youssef où l'armée française bombardait l'armée du général de Gaulle, hein, ce sanguinaire général de Gaulle, bombardait les villages algériens avec et entre autres aussi les frontaliers tunisiens, avec du napalm. Le napalm, c'est une horreur absolue, c'est un dérivé du pétrole qui brûle absolument tous les vivants, que ce soit la faune, la flore, les êtres humains, les animaux, absolument tout. Et vous avez pire que le napalm, c'est bien entendu tout ce qui est radioactivité, bombe nucléaire, mais sachez que l'Irak, ils l'ont pourri avec les bombes à uranium appauvri. L'Irak est totalement pourri, hein, les naissances sont catastrophiques au niveau de maladies et de déformations congénitales. La Syrie, c'est la même chose. La Libye, hein, sachez-le, c'est la même chose quand Sarkozy a bombardé, ça continue à bombarder. La radioactivité, elle n'a pas uniquement dans les pays bombardés, mais aussi suite, vous le savez, au Japon, pas uniquement à cause du bombardement américain à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi à cause de la catastrophe dont on nous cache l'ampleur, la catastrophe de Fukushima. Ça a pourri les eaux, ça a pourri les lieux, et ça se transporte avec l'air, hein, la radioactivité, y compris avec les déplacements des biens et des êtres vivants. Vous savez que nous avons vécu la même chose au travers du drame de Tchernobyl, donc en Russie, que nos gouvernants de l'époque nous avaient expliqué que ça s'est arrêté à nos frontières. Il n'en est rien. Regardez en France l'explosion des problèmes de thyroïde. Je ne vais pas allonger plus longtemps. Je vais vous passer la vidéo que je vous ai préparée.
Soyez éveillés, ouvrez les yeux. Donc à la fin, je serai très très bref. On y va. Donc nous avons vu, j'ai vu, vous avez dû voir. Peut-être n'avez-vous pas remarqué que c'est écrit RIP et pas RIC. Vous verrez à la fin leur explication de en quoi ça consiste, donc leur RIP. Bien entendu, c'est pour vous amener tout droit vers la victoire, la fausse victoire finale, parce que ils vont soi-disant céder sous la pression des faux gilets jaunes, sous la pression de tous les idiots utiles, et ils vont claquer des doigts, et il y aura une fausse victoire avec le RIC à ce moment-là qui sera mis. Mais le RIC est une illusion, vous allez juste permettre au système de gagner du temps. Ça sera juste, et nous on perdra justement beaucoup de temps, et notre révolution n'aura servi à rien. Que ce soit 100 000 signataires, 600 000, le RIC ne nous sera jamais, jamais accessible, les amis. N'oubliez pas, 13h, là, le 13h jeune, pendant une minute, mettez votre gilet jaune, peu importe là où vous serez, vous contaminerez les autres par le bien, les amis. Les samedis jaunes, on continue, comme depuis le début, l'acte 22 ce samedi, vous mettez un gilet jaune, vous n'allez pas aux confrontations, vous vivez normalement, vous allez faire vos courses pour que les autres vous voient, vous allez dans les centres commerciaux, c'est important. Les samedis jaunes, les actes doivent continuer jusqu'au bout. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ce petit live, essayant de faire court. Alors très rapidement, sur YouTube, Mohamed Kachouch, le RIC c'est une arnaque, nous sommes d'accord frérot. Le bonjour au CNT de Eric Fioril à travers toi. Ensuite, vu que exceptionnellement je diffuse ce live sur plusieurs Facebook et non pas uniquement sur mon profil Facebook, sur ma page aussi Facebook, sur mon groupe France Gilets Jaunes La Vraie Colère Facebook, tout en simultané, en plus de mon YouTube de secours, de Periscope, Twitter, Twitch, VK. Donc pour l'instant, tout le monde est dispersé un peu partout, je ne peux pas faire le tour pour vous saluer. Je vois que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à suivre, que vous serez par la suite en replay quelques-uns et quelques-unes à regarder. Je vous en remercie. Merci de suivre mes recommandations, mes conseils, mes consignes. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve comme d'habitude ce soir, je l'espère. Bonne journée.